Bonsoir. Le marché parisien signe une séance de forte progression ce mardi avec un CAC 40 qui retrouve les 3100 points. Les valeurs technologiques ont été très entourées aujourd'hui, soutenues par les résultats meilleurs que prévus de l'américain Oracle. Très belle progression donc pour STMicroelectronics et surtout Alcatel-Lucent. En hausse également les valeurs cycliques Alstom, Schneider Electric, Saint-Gobain, stimulées par les annonces des pays du G20. Ils s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour soutenir l'économie mondiale. Bonne tenue également des valeurs pétrolières, notamment Vallourec et Technip, en suivant la remontée des cours du brut. À l'inverse, les valeurs aux vertus défensives comme Pernod Ricard eh bien, ont sous-performé la tendance. Noir donc aujourd'hui pour Danone qui paye au prix fort son avertissement. En cause, l'inflation des coûts des matières premières et un tassement de la consommation plus lourd qu'attendu dans les pays d'Europe du Sud et en Espagne particulièrement. Les marges 2012 donc eh bien, ne seront pas stables par rapport à celles de 2011, mais en baisse de 50 points de base en données comparables. L'objectif de chiffre d'affaires est lui confirmé avec une croissance de 5 à 7% projetée, toujours en données comparables. Et suite à cette publication, eh bien, plusieurs analystes ont refait leur compte sur le dossier, à l'image de Kepler qui a réduit de 60 à 57 euros son objectif de cours sur le titre. Voilà, c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous demain à 9h30 pour le point d'ouverture.